Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du War Tales. On a un temple à faire. C'est en or. On a un temple à faire. Ah oui, mais non, mais ça veut dire que c'est du givracier. Qu'est-ce qu'on fait? Sept cent vingt-huit sur 733. On va le transformer. Aïe 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 aïe. Je crois que c'est composant. On est un peu lourd. Ah, prix des ventes des objets de luxe augmenté de 10%. Alors, on a un temple à faire aujourd'hui. Par contre, comme j'ai dit, on est un tout petit peu lourd. Bon, après, on a des sacoches encore. Tout ça, c'est... Il n'y a que les sangliers, je crois, qui ont des sacoches. Tout le reste, c'est des fers à cheval. Donc, à la limite, si jamais on est trop, on a trop de choses, on peut mettre ça en sacoche. On peut mettre des sacoches. Donc, c'est pas trop grave. On a de la nourriture ça pèse lourd, donc on va peser un peu moins lourd au bout d'un moment. Allez, c'est parti. Alors je sais qu'on a d'autres, on a pris d'autres missions tout ça, mais on va pas les faire. Enfin, on va les faire en revenant, pas avant. Non, rien d'intéressant. Alors, par là-bas. Alors, on est bien équipé, hein, donc ça devrait bien se passer pour le temple. Toujours plein de... J'ai toujours envie de dire rhinocéros. Je sais pas pourquoi. C'est atroce. Alors le temple, il doit être surtout dans la partie gauche, je pense. Eux, je sais pas ce qu'ils font au foot là, mais eux, c'est des... Eux, ils ont un renfort, du coup. Ils ont un crâne. Oh non! Oh non! Je crois qu'on a trouvé le temple. Tombeau de Grimir. On va pouvoir s'arrêter au tombeau. Allez, vas-y dedans, quoi. Mon dieu. Fâche, quoi. Alors, vous venez de terminer la mission, légaliser le tombeau. Ah, il fallait juste le localiser. D'accord. Lieutenant Gug. Des pillards sont entrés dans le tombeau il y a quelques jours. J'attends qu'ils en ressortent pour les cueillir. Mais si vous voulez mon avis, les anciens se sont déjà chargés d'eux. D'accord. Ça marche. Explorer. Donc normalement, la première zone... Vos compagnons sont fatigués. Oui, 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 je sais. Voilà, on peut camper à l'intérieur. Et normalement, on risque rien. Ok. On voit pas grand-chose. Mais c'est stylé. C'est stylé. Les rails doivent être contents. Ils ont tous les yeux rouges. Ils sont super. Là, ça, c'est de l'ambiance. Hein. Ça, c'est de l'ambiance avec, avec des créatures et tout. Alors, des sardines, des paupiettes. On va faire les sardines. Ça donne quoi, les sardines? Donc, apparemment, il y aurait des... Des gens qui seraient rentrés, des pillards, donc on va peut-être les rencontrer. Ou alors trouver leur cadavre, je sais pas.
verra. Ah, c'est qui a la pelle pour le sel? Merde. J'ai pas fait attention. Ah, c'est lui qui a la pelle pour le sel. Attends, toi, on peut te donner. Oui, non, mais on l'a pas fabriqué ça. Serrure est plus simple. Non, on l'a pas fabriqué. Et je crois que c'est un truc à la forge en plus. Vous savez que de quoi je parle? L'accessoire là. Timbale personnelle. Ça fait quoi ça? Chaque joueur, les prisonniers équipés de bénéfices d'un grand bonus de confiance dans le groupe. Ah oui, il y a les figurines de poney aussi. Transport plus 100%. Prisonnier porteur augmente sa capacité de transport. Ouais, super. C'est pas vraiment intéressant, on va pas le faire. Ok, on va faire 5 torches de plus. On a combien? Il faut qu'on en équipe aussi. C'était combien les... De sel les trucs là? C'est deux de sel à chaque fois. Ouais, deux de sel. Ah, ça fait chier. Faut que je fasse attention avec le sel. On a changé... Qui fait quoi là? C'est emmerdant. On va manger maximum de points. Sa vitesse, on s'en fout. Ça, c'est la Dex. On va mettre tout le fromage. Dégâts contre les animaux augmentés. Ouh, des dégâts contre les animaux augmentés. Pas mal. Ça va nous aider, ça. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, lui? Le blé, à un moment, on en voulait plein du blé. Mais on n'a plus les, on a plus ce qu'il faut en fait. C'était pourquoi? Ah oui, le porridge et le la tarte, je crois. Mat fin de pomme. Ouais, il nous faut du miel. On a zéro miel. Zéro miel. Tu peux nous faire peut-être du pain. Je dirais genre une vingtaine. Voilà. Donc Dex, force. Enfin non, Dex, bravoure et dégâts contre les animaux. On n'a pas force. On n'a plus force. Ouais, on n'a plus force. C'est bête. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Rien. Hein. Je pense que 5 torches. Ah oui, non, non, on va équiper les gens. On va équiper les gens. Alors. Taurus, tu restes à la hache. Donc, hacker. Il va me prendre une torche. Après, les nouveaux, faut qu'ils fassent gaffe aussi. Ah, on aurait dû mettre les points, les renforts. J'ai pas mis de renfort. Même Lucie, elle a zéro renfort et j'en ai pas sur moi. C'est con, ça. Orline, tu vas garder les bombes. Toi, on peut te per tu peux te permettre d'avoir une torche. Toi aussi. Toi non, t'as pas vraiment une très bonne armure, elle est toujours niveau 3. Est-ce qu'on met hacker, est-ce non, One Art, est-ce qu'on lui met l'arc de feu? Je dirais oui. Lucie, est-ce qu'elle a besoin d'une torche? Peut-être que Klaska et Lucie, à la limite, on peut leur mettre des torches aussi. Elles sont déjà super résistantes.
À la limite, Lucie. Parce qu'elle craint pas le feu et du coup. Et puis, déjà de base, elle est extrêmement résistante. Donc, elle peut faire torche. Par contre, Klaska, je suis pas trop sûr. Enfin, c'est bien quand même d'avoir un tank. Un tank qui reste un tank. Ok, je regarde qui est immunisé au feu. Ok, ça devrait être bon. Il peut se l'enlever. Toi, ça va. Ça marche. Ok. On va peut-être refaire des torches. Torche 5. Ah, parfait. Je pense qu'on est bon. Voilà. Reposer. Oui, si, verser leur solde. Vrai que ça les motive. Ça va, on a 1400. On est bon, on est bon. On a quoi? On a une dizaine de torches, je crois, de côté. Pour avancer, on a 8 torches, ça va. C'est parti. Alors, il va me falloir le téléphone avec le. L'appareil photo, parce que sinon je vais me louper. Alors, ça c'est le camp. Inspecter. Okay, cool. Donc on peut descendre et continuer. Inspecter, fais voir. La porte est bloquée de l'autre côté. Ça marche. On va rester à cet étage pour le moment. Ouh, trouver du fromage, cool. C'est quoi ça? Ce mécanisme a été pillé, impossible de dire à quoi il servait aux anciens. Clé ouvragée, ça marche. Est-ce qu'il y a des dessins? Non. C'est vraiment cool ce système, j'adore. Ok, donc là on est allé à droite. Des bruits terrifiants retentissent au sud de votre position. Derrière nous? Du coup. La rune voyage. Est-ce qu'il y a des dessins? La dernière fois, j'en avais loupé un de dessin. Ok. Ah! Actionner. Non. Alors, parlez. Par Gérus, élu, c'est mort, mort. C'était pas un as du crochetage, mais la flèche est sortie d'un coup du mur. Il n'avait aucune chance. Inspecter. Dégâts des attaques dans le dos augmentés de 5%. Ouh. Oh, est-ce que ça serait. Ah non. Ce serait pas trop intéressant pour hacker. Parce qu'il a 15% de dégâts critiques en fait. Mais il fait des critiques avec d'autres attaques aussi. Mais dégâts d'attaque dans le dos augmenté de 5%. C'est pas mal. Je vois pas à qui le mettre du tout par contre. Je vois pas, parce que. Genre lui, dégâts 10%, je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Elle a déjà dégâts augmentés. Enfin, elle, à la limite, mais bon, faut la placer dans le dos. Non, je vois vraiment pas à qui le mettre. Donc, fais voir le mécanisme. Porte s'est ouverte. Ok. Bon, on a un crochetage à faire. Les serrures sont plus simples à crocheter. Vas-y.
Il a reçu un dard dans l'épaule, déchirure. Si tu te loupes, tu te prends un truc dans la gueule, quoi. Ok, un. T'as encore heureux qu'on a des potions, hein, la vache. Ok, deux. Au bout d'un moment, hacker, essaye peut-être de t'enlever du tir. Putain, j'aurais dû en refaire de ces potions-là hein, quand on était en ville. Yes, on l'a eu. Vous avez déjoué le mécanisme du coffre. Yes, tes livres. La clé ouvragée, nickel. Eh ben putain. Commence bien déjà. Utilise plein de potions, c'est cool. Bon, rentre toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a ouvert la porte apparemment. Je vois pas de. Je vois rien d'autre. Ok, donc là on a fait le tour, donc ça a ouvert la porte. Ah, du coup on n'a pas rebroussé chemin, donc on s'est pas pris de bestiole. D'accord, ça marche. Explorer. L'échelle s'enfonce dans les ténèbres, rien n'indique qu'elle soit stable. Python. La compagnie est saine et sauve. Ces bibliothèques ont été pillées récemment. Ce coffre était plein il y a peu. Oh, mais il y a l'autre coffre, moi, à prendre. Attendez, remontez. Il était où le coffre? Il était en avant, je crois. Ah, du coup, on va sûrement se taper les monstres. Ah, il était là. Yes, nickel. Cool, merci. Inspecter, là. Porte est bloquée de l'autre côté. Ça marche. Ah, on peut explorer aussi cet endroit. Putain, j'avais oublié. Ah, j'oublie vite les choses. Oh la vache. Putain, moi, il me faut un cartographe et tout ça. Un grognement sourd retentit. Vous êtes encerclés. Ok, des rampants. Niveau 9. Pff, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors. Comment on va se placer? Il y a du monde là aussi. Ok, on peut faire deux groupes. Un groupe à droite et un groupe au milieu là. Il y a beaucoup beaucoup de monde. On est 27 quoi. Il y a Lucie qui peut défendre ce côté. Lucie, il nous faudrait une torche ici aussi.
Septel, là il y a quoi? Il y a Mené, Orline, Kirik. Il nous faudra un autre gros DPS. Enfin, quoi que non. War, ça suffira. Là, on a. Casca, tu te mets là. Là, on a 8. C'est quoi un peu le. Ouais. S'ils peuvent être tout autour de nous, c'est ça le problème. On n'a pas trop de torches en fait. Il nous faut quand même plus de torches peut-être. Là on a Niège. On a zéro torche à droite. C'est un problème. Il faut les replacer pour pas avoir les debuffs parce qu'ils ont, à cause des torches, ils ont les debuffs en fait. Après, on a Will, Taurus, Miège. Elle est où Lucie? Attends, là on a quoi? On a Lucie. Là on a Klaska. Là on a l'ours. L'ours et le reste. Ok. Ça a l'air ok. Attends, c'est quoi un peu le décor là? On va se mettre à côté de Klaska. Ok, on peut faire ça. Du coup, et se mettre en déviation. Le support des bestioles. Oh la vache! Faites mal, saloperie. D'accord, mais c'est grand ici en fait. On va mettre l'ours. Oh, ils font mal. Après, ils font mal parce que je suis dans le noir là. Ouais, ce front là a un problème. Faut mieux gérer ce front là. Que hacker il y a, le centre a l'air d'être protégé. Ouais, mais ça me fait utiliser une. Un truc. On va rester là. On va rester proche de nos gens. Très bien, toi tu bouges pas. Il
Enfin, qui a One Art, qui a l'arc de feu. Il y a Wit qui est là. Très bien. Ah, ok. Will, c'est pas vraiment le tank. Oh, merdant. Ok, ça la reset. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai l'impression que c'est peut-être que quand... Que quand lui, il est... Il est engagé, du coup? Genre, Will, c'est que quand il est engagé que ça marche, ce truc? Je sais pas. Ça lance? Il y a Klaska et Isa là qui sont un peu bloqués du coup. Peut-être que lui peut aller aider quelque part. Attends. Ben là on n'a pas grand monde qui peut aider les rats à la limite. Il doit en avoir une bonne chier hein, de saloperie hein, qui traîne. Oh la vache. Ok, ça fait mal par contre. Oh merde. Ok, on va se mettre là. Oh merde. Est-ce qu'on peut le tuer? Pas vraiment en fait. C'est compliqué de gérer tout ça, compliqué. Qu'on voit pas d'où ils viennent à chaque fois. Là, on est d'accord qu'on peut pas y aller. Ah si, on peut. Ah si, il y a tout un chemin là en fait. Ah. Ok. Ok.
Ok, donc on en a un là. Klaska, elle peut y aller. Il était où? Il était là. Nickel. Provocation. J'attendais que ça vienne pour pouvoir utiliser Kirik. Là, là, on est un peu à l'arrêt. Très bien. On a 8 qui peut jouer. Peut-être le jouer, booster la défense de tout le monde, on a des points. Pas de tout le monde, hein. Vite fait. Très bien. On a Kourou, on peut le finir. Bon, on va garder les points. On va garder la bravoure. Orlin a beaucoup de déplacements, donc autant... Je vais voir un peu. On lui met des bombes. Ça va pas l'engager quand même. Non. Très bien. Ah, la ténacité sauvage. Genre, elle peut pas mourir. Oh putain, c'est pas mal ça. Elle peut pas mourir en fait. Si elle meurt, elle a berserk. Okay. Ça va me mettre en joue ou pas? En engagement ou pas? Bon, du coup, t'es repoussé. T'es repoussé et tu meurs. C'est chouette. Mais ils sont vachement gros ou c'est la même taille? J'ai l'impression qu'ils sont gros. Ratop niveau 9. On va en capturer, hein. Aussi, hein. On pourrait totalement en capturer, hein. Parce que niveau 9, ça vaut le coup. Ok, très bien. On a dû en tuer un bon paquet déjà là.
parti. C'est parti. On fait voir un peu. Comment on lui fait des dégâts, lui? Will, tu vas nous massacrer ça. Oh la vache. C'est Will. Oh la vache, j'ai perdu mes gens. C'est tout noir, je perds mes gens. Je veux bien en récupérer un de rat. Ok, pas mal. Ils prennent cher, hein. Ils ont des petites armures. Ok, on a encore deux bestioles qui traînent. On aurait pu en prendre un autre peut-être, j'en sais rien. Okay. On peut les attraper ou pas? Je sais pas si on peut. Ah, il est là le rampant. Je sais pas. On est obligé d'utiliser le déplacement parce que sinon je peux pas l'atteindre. Donc on va se mettre comme ça. Ah attends, non, Taurus. Ok. Je pense qu'on peut continuer. Deux ans, rester un ou deux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas des trucs qu'on tue tout le temps, donc autant les massacrer. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais... Je sais plus ce qui drop en fait. Je sais que tout ce qui est rat, pestiféré, tout ça, ça donne des pots et tout machin. Mais eux, je sais plus ce qu'ils donnent en fait. Ah! On a tué un, salaud. Fallait bien que ça arrive. Ok, il en reste plus qu'un. Ah, il m'a tué un truc, quoi. Ok, des
dents, du tissu et des humains du coup. Ça marche. Donc on a un rat taupe niveau 9. Pas mal. Pas mal. Donc ça a remplacé notre rat. C'est con, ils sont tous dans le désordre et tout. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir mettre les gens dans l'ordre. Oh là là. Qu'est-ce que je kifferais ça? Bon, on a des carcasses et tout, ça va. Ça marche. On va réparer les gens. Il y a nos ratopes qui sont abîmés. Ils ont tellement peu de vie, ça m'inquiète. Alors qu'ils sont niveau 7. Bref. Inspecter. 3-3. 3 torches. Du pain, un piton, très bien. Je vais enlever ça. Donc, là, c'est d'où on vient. On a une... D'après les inscriptions, cet homme s'appelait Bébédite. Je vois pas de hiéroglyphe. De signe. Porte est bloquée de l'autre côté, ça marche. On va aller tout droit. D'accord, encore une clé ouvragée, ça marche. Inspecter. Porte bloquée de l'autre côté. Ça a l'air super grand ici quand même. Va aller à droite. Alors, les éboulis. Vas-y, creuse. Ah! On a trouvé un signe. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Ça a marché. Putain, téléphone, quoi. Alors, ça s'est rebroussé chemin. On a une corde. Grimper? Ouais, il y a de la lumière. Voulez-vous envoyer un compagnon explorer? Oui. Oh merde, faut choisir qui. Yastoud, vas-y. La corde glisse entre les doigts et Yastoud y retombe lourdement sur le sol. Rupture des ligaments. Oh. On peut en renvoyer quelqu'un ou pas? Bon, Yastoud, maintenant tu sais ce qu'il faut faire. Ah, peut-être quelqu'un moins lourd. Vas-y, Orlin, t'es bonne toi. Oh yes, ça a marché. L'ascension d'Orlin a été un succès. Votre groupe monte à sa suite. Ok. Il y a un campement. Alors, connaissance, c'est quoi? Cette unité ne subit pas de malus de boue. Ouh, c'est bien ça. D'accord, donc on est au-dessus du temple. J'imagine que ce que l'autre, lui, il a une armure moyenne, intermédiaire. Ou après, c'est peut-être un pourcentage hein, de chance. Mais l'autre, il a une armure légère, donc bon. Parce que ça l'aide aussi. Alors, le garde-boue.
bouffe. Cette unité ne subit pas de malus de bouffe. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Sardines aux champignons. Du pain. On va faire 10. Ok, très bien. Notre nouveau rat. Ok, pour les chevaux, on va mettre ça. 2, 3. Ok. Non, mais 3, comme ça on est à 760. Alors, pour l'érudit. Alors, c'est qui notre nouveau érudit? Je crois que c'est le barbare. C'est le barbare, notre nouveau érudit. Pourquoi? Parce qu'il a volonté de base, c'est 9 plus 2 parce qu'il est confiant. Mais ça arrive à 11, du coup. Et c'est 12 pour qu'il survive une fois. Donc, du coup, je lui ai mis érudit. Donc, on a un barbare érudit. C'est bien. Il est ouf. Il est là. Issa... Non, c'est pas lui. Mais il est où, notre barbare? Ah, il est en train de s'entraîner. Merde, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, il va étudier. Toi, tu vas t'entraîner. Et... Niège, tu vas faire ça. Fait du cuir. On a notre nouveau rat qu'on va mettre en soin. Mais pourquoi je fais ça en fait? On va pas dormir. C'est pas, on n'est pas fatigué. C'était juste pour le poids. Du coup. Là, il illuminerait. Je crois que c'est juste pour trouver le truc secret. Hein. Enfin, le camp, là. Par contre, ça, le truc qui apparaît là, du coup, je crois que c'est une erreur. Ah, attends. Un python, peut-être? Là... Ça, c'est du givracier, en fait. Enfin, ouais, des métaux, là. Pour faire du givracier, du coup. Bon, bah, c'est cool. Ça va. On descend. Pas mal. Pas mal pour le moment. Ah non, il y a ça, putain. On a un coffre. Torche. Clé ouvragée, yes. Ça fait quoi d'actionner ça? La porte s'est ouverte. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Ça me saoule. Quelle merde.
On y arrive. On y est. Eh ben. La rune mauvaise. Je vois pas rien d'autre. Explorer. Ok, donc là on est revenu au camp. Même du coup, il était où le coffre? Il était là. Alors, connaissance et du bordel. Et où le livre? Connaissance. Très bien. Inspecter. Ah, explorer. Notre. On va peut-être commencer à rebrousser chemin. Sentez un souffle chaud sur votre épaule. Yes, super. Est-ce qu'on combat ou pas? Ouais. On commence à fatiguer en fait. Donc c'est un problème. De merde quand même. Ok, on va tous se mettre au centre là. Pas assez de place. Un peu. Ouais. Alors, Klaska. Whittaker. Liège. Toi, tu bouges pas. Là, il y a Lucie, c'est très bien. Là, on a ça, Taurus. Ouais, ça a l'air ok. Ça, c'est notre manger, ça. C'est notre manger. Donc, s'il te plaît, lui fais pas de mal. Attends, on va se mettre derrière. Très bien. Ouais. On va utiliser la bravoure parce que... Putain, on va crever le sanglier. On va utiliser la bravoure parce qu'on va devoir se reposer de toute façon. Je pense qu'on va booster les gens aussi.
On n'a pas de... Pas encore de... De trucs extra, là. Je voudrais bien un deuxième extra. Et après, on booste. Ben voilà. Très bien. Très bien, très bien. On a eu Will qui peut faire très mal. D'abord, on va d'abord mettre les sangliers au centre et les protéger. Oh. Ok. Faudrait mettre le feu à des sangliers et les faire courir. Ok, très bien. Voilà, maintenant Will, il peut faire du bordel. Ça, j'ai l'impression que éliminer les faibles, j'ai l'impression que ça marche que quand c'est engagé à lui, en fait. Enfin, faut voir, faut que quelqu'un survive, en fait, à un coup, quand il est engagé. Parce qu'en tout cas, ça marche quand c'est lui qui est engagé. Là, je peux pas le refaire, là. Putain. Parce que ça pousserait Will à s'engager en fait. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Will, c'est un DPS. Après, on peut peut-être le respé. Je sais pas si les lanciers peuvent avoir... peuvent avoir des armures lourdes, je crois pas. Après, on a une autre habilité qui semble pas mal. C'est le mur de lance. Donc on pourrait tester ça. Du coup, on va en profiter. On va faire ça. Que 3? T'es sérieux? Bon, c'est pas grave, je vais pas me faire chier. Des chaînes. What the fuck, tu peux... What? J'ai dû le taper. T'en fais quoi des rampants? Ah, ça m'aurait étonné aussi. Mais le truc c'est que t'en fais quoi des rampants? Je vais pas dire non, hein.
juste un peu étrange. Genre on peut en faire un esclave. Qui c'est qu'on peut envoyer à cœur? Klaska. Klaska, elle sait se débrouiller. L'huile de force. De dégâts, putain. Excuse-moi, 124. Sérieux. Bon après t'as une épée je crois niveau 2, t'as genre l'épée de base. Donc bon dans un sens hein. C'est pas très étonnant. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Les rats font office de leurre, quoi. Ça va. Oh. Nickel. Même avec un coup de torche, il fait 141 le mec. Ah la vache. Taurus, parfait. Taurus depuis le... Ça fait un moment qu'il attend. Ça fait un petit moment qu'il attend dans le noir. Ah! Une bestiole. Ah, t'es sérieux? Chier. Oh, tu me fais ça, s'il te plaît, sur lui. Voilà, merci. Du coup, toi... ouais. Bah tiens, on l'a attrapé. Bah du coup on prend des niveaux 9 hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein. Moi j'aime bien les rats. Ok.
Mais faut voir ça, ce que ça peut faire. J'ai envie d'en prendre deux si je peux. Genre là, embuscade, coup critique assuré. C'est vraiment pas mal ça. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts à la santé, elle se soigne du même montant. Et après, elle a le truc de... Moi, je dis pas non, hein. Je pense que c'est... Y a que ces deux-là qui restent. Donc on va se booster en... Ah bah oui, enfin, il y a lui aussi. On va se booster... Ça... Bon, j'imagine que toi, tu vas le tuer si je te le tape. Tu le tapes, tu le tues. Donc, on va prendre... Ça... Ok, très bien. C'est compliqué ce qu'on va faire. Enfin, ça bouffe des ressources, en fait, de faire ça. Mais bon, on va se débrouiller. Okay, nickel. Ouais, ça bouffe des ressources parce que... Après, il faut les soigner et tout ça, donc c'est long, c'est chiant. Bon, là, je crois qu'on n'a pas trop besoin d'un autre rat. On a besoin d'un autre rat. J'en sais rien en fait. Moi je dis pourquoi pas. Alors toi tu vas. C'est combien de cordes? Une à chaque fois? Je crois que c'est une. Alors toi. Ok, toi t'es pas engagé. Alors fais voir ça. Ok. Ok, très bien, très bien. Là, on doit pouvoir se le faire. Will, on va te garder juste au cas où. Y a pas un. Y a pas un mec genre moins bourrin qui peut. Très bien. Genre un porteur de torche qui peut l'attraper. Pourquoi je peux pas? Ah, tu vas me dire qu'il faut se mettre derrière pour lui? Hein? Faut se mettre derrière? Là, il va mourir du feu. Hein. Bon, on va le tuer. Ah oui, c'est vrai que... Je vois pas pourquoi un je pouvais et pas l'autre. Gert. Il a zéro spécialisation. Et je peux même pas le monter de niveau. Ouais, en fait, ils ont pas... Enfin, pourquoi il s'appelle Gert? Tire au flanc, peau dure. C'est parce que... Le mettre de l'équipement. Attends, t'es niveau 9. Non, on peut pas. Pourquoi il s'appelle Guerre? Parce que c'est un spécial peut-être? C'est genre un mec qui s'est transformé en ghoul? Bon, par contre, il faut faire un robot chemin. Inspecter. Porte est verrouillée, ça marche. Bon, robot chemin. Ah! On a le mécanisme ici. Mais on a qu'un seul signe hein, depuis tout à l'heure. J'ai rien vu d'autre.
rebrousser chemin. Normalement, c'est tout par là. Ouais, la statue droite. Ah mais attends, mais je peux camper ici en fait. Oui, j'ai pas besoin de rebrousser le chemin en fait. Et on peut en faire un mec qui fait à manger? Attends, t'es sérieux? Bon, ça lag parce qu'il y a beaucoup beaucoup de trucs. Il fait à manger? What the fuck? Je crois qu'ils ont pas. Ils savent pas encore quoi en faire en fait. Des ghouls. Je pense pas qu'on était censé le prendre. Neutre. Libéré. Ouais, non, mais je peux rien en faire. Je peux pas augmenter ces points. Il a pas d'arbre, il a zéro spécialisation. Là, je peux pas augmenter ses points parce que si, il est pas, il nous aime pas. Mais est-ce qu'il peut nous aimer à un moment? Mais après, il a pas des trucs intéressants. Il a même pas d'attaque, il a même pas écrit d'attaque. Ouais, je pense pas qu'on est censé l'avoir en fait. Ouais, je pense pas qu'on est censé l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On le vire? Je sais pas. Est-ce qu'on peut le rendre heureux? Est-ce qu'on peut l'asseoir au camp? Il s'assoit au camp, il est content. Il est content. Bon, bref. Ça fait longtemps là. On va peut-être le faire en deux parties. Bon, déjà, les rats. Déjà, les rats. Après, on verra ça. Bon, on va en garder toujours 5, pas plus. Parce qu'après, faut pas exagérer non plus. Déjà, 5, c'est énorme. Mais bon, on avait vu que le nombre, même si c'est des de la chair et canon, très très utile dans notre mode de jeu. Extrêmement utile pour bloquer les routes et tout ça. Donc, puis ça fait des dégâts, hein. Ça fait des dégâts quand même. Très bien. Presque fini. Alors, 9, 9, 9, donc, 9 aussi, donc, on en a 5, 9, et après c'est du 7. Bon bah ceux du 7, on va les renvoyer. Hein. Fais voir un peu leurs stats. Ouais, 80, là, ils ont tous 80, dans les 80 HP. Ça marche. Très très bien. Et il y a Gert qui est avec nous. On peut le garder. Un animal de compagnie. Bah tu parles d'un animal quoi. Bon du coup on remet tous nos rats là.
ensemble. Il en manque. Il y en a un qui va se faire soigner. Est-ce que Gert il va être content si on le soigne? Vous avez soigné Gert, la confiance entre vous grandit. Je sens bien dans une troupe qui prend soin de ses blessures. Ouais, il est tir au flanc quand même. Hein. Il n'aime pas transporter les choses. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, du coup. Au lieu de faire n'importe quoi, là. On va réparer. 56, la réparation. Est-ce que d'autres personnes ont besoin d'être réparées? Je sais que Will... ouais, Will, allez. Il tape quand même fort, les machins. Il tape quand même très fort. J'ai pas envie que malheur arrive. Bon, ben Will, je sais pas trop... Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Will? Genre, oui, c'est toute l'intermédiaire, déjà. Faudrait qu'il s'engage. Du coup, si ça marche que pour lui. Mais bon, encore une fois, comme j'ai dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui survive à l'attaque. Mais par contre, la personne qu'il a tuée quand il était engagé avec, elle est morte aussi. Mais ça, du coup, ça a marché. Cette unité était déjà engagée. Bah ouais, mais bon, ça devrait marcher avec les autres, hein. Je sais pas. Mais ça fait extrêmement mal en tout cas. Même si c'est. Même si on l'utilise pas pour plein potentiel, ça fait super mal. Mais genre, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire pour qu'il s'engage plus? D'albure de lance, ça a l'air marrant ça. Mais j'ai jamais testé. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Après le soutien acéré. Esprit d'équipe. Non. Ah, le soutien acéré avec cette lance, ça doit faire mal. Dégâts augmentés de 5% à chaque bonus appliqué sur cette unité. Non. Ouais, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment comment optimiser ce... cette arme en fait. Ça n'a pas trop de sens pour moi. Est-ce qu'on a un livre à déchiffrer? Non. Ok, c'est l'heure de manger. Bon, j'espère qu'il aimera. Hein. On fait du... Il y a du ragoût de porc. Il devrait aimer. On va garder du pain. Parce que du pain, c'est souvent... On a souvent besoin pour faire des trades et tout ça. Alors, attaque sur les animaux, augmente de 2 le bonheur, les fruits confits. Si on arrêtait de faire de l'alcool, non? J'en sais rien. Tiens, parlons de nourriture. Est-ce que, Niège, tu peux faire des trucs? Non. Non, non. Bon, bah voilà, on est bien comme ça. Ça marche. Est-ce que Gert va rester avec nous? La connaissance du monde a augmenté. Il est content, Gert? Apprécié à proximité des compagnons malgré tout, bien nourri. Il est content, Gert. C'est bien. C'est la mascotte. Enfin, là, tu parles d'une mascotte. Alors,
Ces cornues ne savent pas tenir une arme. Comment pourrais-je faire confiance à cette troupe si je manque d'y passer à chaque combat? Boudeur. Relation avec compagnon. Ressasser ses peurs et ses craintes. Ça peut être dangereux si jamais on a des gros, des grosses bestioles. Ouais, t'as qu'à bouder, mec. T'as qu'à bouder, comme ça tu fais pas chier. Putain, le mec, quoi. Après un repos, la troupe gagne 2 points de bravoure en moins. Oh, putain de merde, t'es vraiment relou. Oh la vache. Oh le mec ultra relou, quoi. Bon, on va s'arrêter là, je crois, pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. On finira le temple la prochaine fois. Donc on a Gerd avec nous. Je sais pas, on le garde pour le moment. Je sais pas à quoi ça sert, mais à rien. Peut-être qu'on peut la franchir après. Et peut-être qu'il resterait avec nous. J'en sais rien. C'est débile. C'est débile. Est-ce qu'on peut en faire un barde après? Il chantera. Débile! Ah tiens! Non, pas toi. Merde, c'est pas toi que j'ai touché. Non, ce que je veux faire, c'est lui mettre la portance là. Alors, chaque jour, le prisonnier équipé bénéficie d'un grand bonus de confiance dans le groupe. Oh, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Figurine de poney. Timbales personnelles. On peut lui mettre les timbales personnelles. Enfin, ça sert à... honnêtement, ça sert pas à grand chose de garder les prisonniers au final. Vas-y, comme ça il sera content. Il aura des timbales, il pourra jouer. Mais honnêtement, ouais, pour le moment, et vu qu'ils ont pas de spécialisation en rien. Ça sert à rien de garder les trucs. À moins que vous en gardiez un genre un vrai en fait prisonnier avec des chaînes tout le temps. Et que vous l'utilisiez pour faire à bouffer ou faire un truc parce que vous avez pas ou voilà. Du coup, c'est quelqu'un que vous n'avez pas besoin de payer, donc ça fait moins cher. Mais il faut toujours le nourrir. Mais bon, après, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, vous n'avez pas vraiment besoin d'argent. Donc pour le moment, il y a zéro intérêt à garder des prisonniers. Je vois aucun intérêt à le faire. Il faut avoir des gens qu'on recrute, comme ça ils ont tous un arbre de spécialisation. Que ça vienne de la prison ou que ça vienne de la taverne, peu importe. Mais il y a ça. Puis après. Ouais, non, puis après, non, ça sert à rien de prendre des prisonniers hein, avec nous. C'était marrant au début, ben voilà quoi. S'arrêter là. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.